Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 25 mai 2018, comme vous le voyez à l'écran, si vous êtes fan de Calculate Linux ou de Gentoo et que vous utilisez Maté, eh bien je viens de mettre à disposition, ici vous voyez, dans le Adrien Overlay Testing, toute la mise à jour de Maté en version 1.20, puisque en fait, si on fait un petit EIX Maté Desktop, est-ce que vous voulez, ici, par défaut, dans Gentoo, on est toujours à la version 1.18 de Maté, et ce, depuis la sortie de Maté 1.20. Et donc, si vous voulez tester Maté 1.20, alors désolé pour le bruit, si vous entendez un peu de micro et tout ça, c'est la garden party dans le château qui fait qu'il y a un peu d'animation. Donc, voilà, je vais vous montrer comment tester Maté 1.20 si vous êtes cascadeur. Donc, je vais m'équiper d'une Calculate Linux Desktop Maté. Je vais vous montrer comment ajouter l'Adrien Overlay Testing et comment disposer de la version 1.20 de Maté dans cette Calculate Linux. Donc, tout ça démarre. Donc là, par contre, la machine virtuelle, elle n'est pas sur le disque dur SSD. Donc, je vous prie de m'excuser, ce sera long. Je couperai la vidéo. Je reviendrai une fois que la mise à jour sera terminée. Donc ce que je vais juste faire avant, c'est prendre un instantané de ma machine virtuelle. Hop. Des fois que ça se passe mal, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, voilà, c'est parti. Je mets la machine virtuelle en route. Je vais me passer en plein écran, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc... Ok, vous équipez d'un terminal, donc ici on va le prendre par là, outil système terminal Maté. Donc ici, si je fais un EIX Maté desktop, voilà, vous voyez j'ai la version 1.18. Donc vous prenez le navigateur favori de votre choix, et vous allez sur GitHub, ou GitHub comme vous avez envie, et vous allez chercher mon Maté, enfin mon Adrien Overlay Testing, s'il vous plaît. Donc voilà, Firefox toujours aussi long à ce que je vois. Donc Adrien Overlay, je pense pas qu'il ait encore référencé le testing. Voilà. D'ailleurs, pourquoi il me fait ça, Firefox? Bon. Bizarre. Attendez, je fais un petit coup de ça. Voilà, histoire qu'il comprenne quelle résolution il lui faut. Voilà, voilà. Donc, vous allez sur github.com/adrien/adrien-overlay-testing qui est bien planqué. Voilà. Et donc, ici, vous voyez toute la partie ajout de Maté 1.20. Donc, là, ce qu'on fait... Vous ajoutez cet overlay avec Layman. Donc, su. Mettez le mot de passe qui va bien. Vous récupérez l'overlay. Vous faites un Layman-S pour synchroniser le tout. Je crois que c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez l'Adrien Overlay Testing. Ben d'ailleurs, j'avais l'Adrien Overlay normal ici, sur celui-ci, je ne me rappelais même plus. Voilà. Donc là, ok. On ajoute l'Adrien Overlay Testing. Yes. Si vous avez jamais ajouté d'overlay sur votre Calculate Linux, pour que l'overlay vous permette de... pour que l'overlay puisse se mettre à jour en même temps que votre système, il faut exécuter cette ligne là, CL core variable, set update CL update other set on, pour mettre toujours à jour les overlays en même temps que votre système. Voilà. Vous faites ça. Voilà. Donc ici ça passe à on. Vérifiez que ça passe bien à on. Voilà. Et donc une fois que c'est ça, vous faites un CL update. Donc soit ici en ligne de commande, soit
On va être fou, on va se le faire en graphique pour une fois. Quand vous êtes en graphique, vérifiez bien de cocher la case, actualiser les autres overlays. Qui doit être je ne sais plus où. Mais normalement, si vous avez un petit moins, il prend les préférences qui sont écrites dans les variables calculate. Et donc là, vu qu'on vient de définir à on, normalement, il doit mettre à jour. Donc là, il synchronise le tout. Donc il synchronise d'abord le Gen 2 overlay. Enfin, repository. Ensuite, pardon. J'ai autre chose sur l'autre écran. Voilà. Bon, là, j'avais déjà le Adrien overlay, donc il le synchronise. Et donc là, il synchronise aussi le Adrien overlay testing. Voilà. Ensuite, il actualise les caches de tout ce qui va bien. Voilà. Et donc, après, notre ami Calculate Linux, bon, faut pas oublier que c'est une Gen 2 là-dessous, donc le fonctionnement est similaire, c'est-à-dire qu'il va calculer toutes les dépendances qui vont bien, et normalement, il devrait nous mettre à jour, maté, avec toute la pile en version 1.20. Voilà, donc là, faut dire que ça fait un petit moment que je les ai pas allumés, mais Calculate, alors, faut le temps qu'il récupère les mises à jour qui vont bien. Voilà. Du coup, il y a une petite correction des paramètres, parce qu'il y a eu des modifs dans Calculate, dans les profils et dans les paramétrages, depuis. Donc ça, c'est une petite étape maison Calculate Linux, voilà. Choix du serveur le plus rapide, ben pff, tiens, pour pas changer. D'ailleurs, je voudrais vérifier un truc. En tant qu'il calcule les dépendances. Miroir.calcul. Non, miroir.linux. Linuxtrix.fr. Ah non, en plus il chope sur l'adresse publique, hein, donc il passe même pas par le. Par le réseau interne. Et donc, bah là, je vous montre, au passage, hein, que j'ai bien toujours mon maté 1. Point... merde, c'est où, c'est là, voilà. Ici, j'ai un maté 1.18, hein, c'est la version normale. Ici, si je vous fais sur le panel, maté 1.18.7. Dans le terminal... Dans le terminal, ici, c'est bien le maté 1.18.2. Et donc, si on fait un EIX-C, manière condensée, maté quelque chose. Voilà, vous voyez que ici, toutes les mises à jour se font vers la version 1.20 de maté. 1.20, j'ai mis à jour, donc, vous allez voir tout ce qui va se mettre à jour. Le temps qu'il calcule les dépendances, mais voilà. Donc ici, le Adrien Overlay Testing, c'est le numéro 3. Donc bien sûr, cette mise à jour est à vos risques et périls. Normalement, en faisant cette vidéo, vous allez voir que tout fonctionne bien. Donc voilà, je mets à jour, les thèmes. J'ai ajouté Maté Icon Theme Finza, qui existe. Aussi, voilà. Donc Maté Theme. Ici, donc voilà, tout est à jour en version 1.20. Il y a certains composants qui sont en version 1.20.1, par exemple Maté Sensor Applets. On a Maté Power Manager, qui aussi, qui est en 1.20.1. Qu'est-ce que j'ai mis à jour? Donc Maté Settings Daemon. On a Maté Desktop, qui est en version 1.20.1. Il y a déjà un petit correctif. Maté Control Center en version 1.20.2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a Maté Applets, de fait. Maté KBD. Donc la configuration du clavier. Et voilà. Donc il y a pas mal de petites mises à jour. Je vais quitter ça. Donc j'aurais pu faire la mise à jour en ligne de commande.
Là, je décide de la faire en graphique. C'est pour le plaisir et changer un petit peu, finalement. Voilà. Donc, ce qu'on va juste faire, là, vu qu'il y a un peu de bruit, je mets juste en pause le temps que ça calcule les dépendances. Je reviens une fois que les dépendances sont calculées. Et après, je remettrai en pause à nouveau pendant l'installation de la mise à jour. Puisque, vu que ce sont des paquets qui n'existent pas officiellement dans Calculate Linux, hein, cette version 1.20, de fait, il n'y aura pas de binaire. Donc, vu qu'il n'y a pas de binaire pour cette version 1.20 de Maté, elle sera compilée comme si vous étiez sur Gentoo, sur la Calculate Linux. Donc, ça peut être long et un petit peu consommateur de mémoire et de processeur par rapport au paquet traditionnel de Calculate Linux. Je tiens à le préciser quand même pendant cette vidéo. Donc, je mets en pause le temps de la fin de calcul des dépendances. Ah bah non, pas besoin. Voilà, liste des paquets installés. Donc voilà, tout se passe bien ici, 72 paquets installés. Donc moi j'ai des trucs qui s'installent en plus, genre ça, Perle, Storable. Voilà, ce sont des choses que j'ai pas mises à jour depuis un petit moment. Et donc c'est parti pour l'installation. Donc vous voyez, les paquets sont verts, ça veut dire que ça se compile sur la machine. Donc je mets la vidéo en pause et je reviens une fois le tout installé. Voilà, donc je vous reprends juste quelques petits instants où en fait... Je refais la mise à jour en ligne de commande parce que il y a eu un échec lors de la mise à jour, une erreur Python, problème d'allocation de mémoire. Donc ça c'était évident avec la compilation de Maté et 2 Go de mémoire vive. Faire la mise à jour en ligne, enfin en graphique, j'avais pas assez de mémoire. Donc comme vous le voyez ici, je me suis déconnecté et j'ai arrêté l'interface graphique avec etc init dxdm stop. Et donc je relance le CL update en ligne de commande. Ce qui fait que l'interface graphique n'est plus lancée et ça me libère de la mémoire. Je continue la mise à jour et je reviens dès que c'est terminé. Et du coup, il faut que j'aille faire griller les saucisses sur le barbecue de la Garden Party. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et un instant pour vous dans la vidéo, là, tout de suite, maintenant, là, juste là. Bien, 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 bien. Donc voilà, la mise à jour s'achève. Cette fois-ci, il n'y a que 31 paquets puisqu'il avait commencé à installer des petites choses. Et on arrive donc à la fin de l'installation. Des mises à jour. Après, je n'ai pas vu de noyau. Donc je suppose qu'il ne va pas y avoir 36 000 trucs à reconstruire. Si jamais il y a un certain nombre de paquets à reconstruire, vous inquiétez pas, je recouperai à nouveau la vidéo. Et en plus, ça rime. Sachez toujours que si jamais vous avez un problème avec cette version 1.20 de Maté, hein, que j'ai exclusivement fabriquée, hein, puisqu'elle est disponible nulle part, même pas sur le Gentoo Maté, hein, il y a un overlay Gentoo Maté qui fait les mises à jour de Maté avant de les inclure vraiment dans Maté, dans Gentoo, et donc de fait qui sont vraiment inclus à Calculate Linux. Si jamais vous avez des dysfonctionnements avec ce Maté, il vous suffit de supprimer mon overlay, Adrien Overlay Testing, en faisant un layman. Donc vous pouvez le faire en console, hein, vous vous connectez en route, en console, vous faites un layman --d Adrien-overlay-testing, l'overlay que vous avez ajouté, et vous refaites la mise à jour en ligne de commande. Bien sûr, si vous avez des problèmes et que Maté ne se lance pas, vous faites un CL update à nouveau. L'overlay étant enlevé, eh bien, il va automatiquement rétrograder les paquets dans la version connue, c'est-à-dire la version disponible dans Calculate Linux. Et ce sera beaucoup plus rapide à installer, puisque cette fois-ci, vous aurez les binaires à votre disposition. Voilà, cette petite introduction qui m'a permis d'attendre que les mises à jour soient installées à la fin. Voilà. Donc là, il va supprimer d'éventuels paquets devenus inutiles. Il ne devrait pas y en avoir. S'il y en a quelques-uns, il est probable que ce soit parce que mon système dispose de plein de logiciels. Puisque en fait, ces machines virtuelles, je les utilise pour tester pas mal de petits trucs. Et donc là, je teste sur cette CLDM, donc l'installation de Maté 1.20 que je vous montre en vidéo. Voilà. Donc si ça vous chante, hein, d'avoir Maté 1.20, même si... Honnêtement, Maté 1.20 est sorti depuis un petit moment déjà. Mais, bon,
chez Gentoo, on joue la carte de la stabilité sur certains points, mais les évolutions qu'il y a entre Maté 1.18 et 1.20, elles sont quand même pas significatives de là à révolutionner l'environnement de bureau. Donc voilà quoi. Bon, bah, si finalement il y a deux trois petites bricoles, là on va supprimer. J'ai fait pas mal de bricoles. Donc oui, c'est vrai que pour le commun des mortels, avoir Maté qui se met à jour de la version 1.18 à 1.20, qu'est-ce que ça change? Bah, pas grand-chose, c'est un numéro de version qui s'incrémente, mais si on regarde un peu ce qu'il y a de beau... Ah merde. Alors hop, je vais juste fermer ça, je vais revenir dans la console, voilà. Je vais réduire ça, hop, je relance un navigateur internet, voilà. Et si on fait Maté 1.20, le temps que ça s'installe... Ça, quand même, ça casse quand même pas trois pattes à un canard. Il y a bien sûr des petits changements, hein, voilà. Donc, mais bon, si vous avez pas de... voilà, ça supporte HIDPI. Bon, bah voilà, c'est vraiment très... voilà. Marco supporte DRI 3 et XPresent. Donc ça, c'est une modification que j'ai fait dans Marco. Hein. J'ai inclus la possibilité d'utiliser XPresent. Voilà. Bon, voilà, il y a deux, trois petites bricoles, voilà, bon, bah voilà, il y a des améliorations, mais, je veux dire, c'est pas waouh, quoi. Ouais, voilà. Donc, il y a des petits trucs, notamment, il y a un correctif sur le Maté panel, mais qui est inclus dans Gentoo aussi, par rapport au panel qui se masque pas automatiquement quand on clique sur un lien. Mais voilà, ça, ça a été inclus dans Gentoo directement. Bon bah il y a du ménage aussi, voilà, pour les noyaux. Vous voyez, ça faisait un petit moment que j'avais pas relancé cette machine virtuelle là, puisqu'il m'épure le noyau 14-19. Donc ce qu'on va faire, on va remettre en pause juste le temps que ça termine. Et je reviens tout de suite maintenant là pour vous tout de suite là. 3, 2, 1, hop, je reviens. Hop là, voilà. Donc la mise à jour est terminée. J'ai pas vu, je crois, de mise à jour de noyau. Donc normalement, les bibliothèques réservées, il doit pas y avoir 36 000. Je vais préparer moi la petite commande qui va bien pour monter cette vidéo avec FFmpeg, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et donc on va redémarrer cette machine virtuelle et on va constater que Maté 1.20 fonctionne correctement. Et donc en ayant vu cette vidéo, vous saurez que ça donne le feu vert pour tester éventuellement sur votre machine si ça vous intéresse. Voilà, voilà. C'est-à-dire que au moins, ça fonctionne en machine virtuelle, donc il y a forte probabilité que ça marche sur votre machine réelle. Bon, bah, il y a encore plein de mises à jour, voilà. Donc, je remets en pause et je reviens tout de suite là maintenant. Voilà, je suis de retour. Regardez la course des bateaux dans cette magnifique Garden Party. Trêve de plaisanterie. Non, c'est vrai, il y a une course de bateaux. Donc, voilà. Ici, la mise à jour de Maté est terminée en version 1.20. On reboot la machine. Et donc, vous allez voir que tout fonctionne bien. Une fois que tout a bien fonctionné, eh bien, je coupe la vidéo, je la mets en ligne. Et moi, je vous abandonnerai pour la soirée. Donc, je verrai vos commentaires demain matin, puisqu'il y a la deuxième manche de la course de bateau qu'il faut aller voir. Donc on va aller voir cette course de bateau, mais avant, cette course de Calculate Linux Maté qui va démarrer. Attention, 3, 2, 1, faux départ. Non, bon départ. Bon départ. Donc c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et après, on ira se restaurer. Tiens, il y a un mec qui klaxonne en plus. Donc, le nouveau mot de passe. Je passe en plein écran. Voilà, et donc vous voyez... Maté 1.20 en action, se charger. Et donc, si ça marche bien, eh bien, je donnerai tout ce travail à éventuellement Gentoo pour intégrer ça dans sa distribution. Voilà, voilà. Hop. Alors, attendez, on va juste faire ça, histoire de voir. Ah bah, je peux même plus faire ça. Alors, je vais lancer le terminal pour mettre la bonne résolution d'écran. XRand. Bah, en fait, non, je vais même pas faire ça. Je vais carrément aller dans Système Centre de Contrôle. Ah merde, il y a la course de bateau. Fait chier. On va louper ça. Voilà, donc je conserve là ça.
Ici, donc à propos du tableau de bord, vous voyez Maté 1.20. Ici, le moniteur système indique que nous avons bien un Maté 1.20.1. Et donc, eh bien, on dirait que ça fonctionne. Très bien, voilà, à propos, Maté 1.20. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, installez le Adrien Overlay Testing. Mettez à jour votre distribution et si jamais ça marche pas, il vous suffit de supprimer l'Adrien Overlay Testing et de refaire la mise à jour via CL Update par exemple. Et donc, eh bien, tout simplement, les paquets seront rétrogradés à la version de Maté disponible dans Gentoo, c'est-à-dire la version 1.18. Voilà. Donc si jamais il y a un souci, on peut facilement revenir à l'état précédent en supprimant l'overlay. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous éclater à tester Maté 1.20, testez. Mettez-moi éventuellement un petit commentaire si ça vous intéresse, si vous avez testé et que ça marche chez vous. Attention, hein, je le dis toujours, c'est à vos risques et périls. Oui, je suis prêt, donc je vais monter la vidéo et c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.